imbécile. Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement, je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. L'importance des racines, il dit le droit du mouvement et il dit...